Bonjour et bienvenue à tous les parents ou futurs parents qui désirent avoir des informations avant de s'expatrier ici à l'île Maurice. Nous allons faire une petite présentation du système éducatif ici à l'île Maurice. Maurice étant une plaque commerciale internationale, il est tout à fait normal que son système éducatif le reflète. Le système éducatif gouvernemental, donc dispensé par des établissements publics, donc gratuits, donc est sous tutelle de l'Angleterre et plus particulièrement de l'Université de Cambridge en Angleterre. Et donc, ce système fait que les cours sont majoritairement dispensés en anglais, donc de façon orale, et sont toujours dispensés au niveau écrit en anglais. Donc bien évidemment, sauf le cours de français, mais pour tout ce qui est cours de maths, géo, histoire, il y a business, informatique et autres. Mais en tout cas, dès la primaire, tout est donné en anglais. Donc ce qui peut être un gros avantage par la suite pour l'apprentissage de la langue. Les établissements privés, eux, n'étant pas sous tutelle d'une université, d'un gouvernement ou autre, donc doivent bien évidemment suivre un cursus traditionnel, je vais dire, et donc se calent régulièrement sur des cursus français. Donc vous pouvez trouver des établissements privés de différentes langues, que ce soit en français, en espagnol, en italien ou autre. Mais majoritairement, c'est soit anglais, soit français dans les établissements privés. Donc ces établissements privés donc, sont coûteux, bien évidemment. Et donc les cours étant dispensés en français, au niveau de l'apprentissage de l'anglais, ça peut poser parfois quelques soucis. On peut noter quelques différences, je vais dire, dans l'apprentissage quotidien. C'est que bien évidemment, les enfants, les élèves qui iront dans ce genre d'établissement apprendront l'anglais uniquement dans les cours d'anglais. Donc, qui doivent être logiquement plus conséquents afin de pouvoir pallier justement le fait que l'anglais n'est pas dispensé pour tous les cours. Dès le plus jeune âge, en général 3 ans, l'âge auquel les enfants arrivent en maternelle, ils sont munis d'un uniforme, donc on les habille avec un uniforme. Donc l'uniforme est spécifique à chaque établissement, donc vous en aurez des unis, des rayés, des quadrillés, donc vous en aurez des bleus, des verts, des jaunes, des bleus, des verts, des rouges, des bleus et rouges, vous en aurez un petit peu de toutes sortes. Et donc ça, ils auront ce système d'uniforme de 3 ans jusqu'à la fin de leurs années scolaires, donc 17 ans pour les bons élèves. Donc ceux qui n'aiment pas trop les uniformes, ils ont intérêt à être bons élèves pour éviter d'être jusqu'à leurs 20 ans avec des uniformes. À la fin des années primaires, ils ont les enfants ont un examen bien évidemment qui s'appelle le PESAC ici à Maurice, donc qui débouche vers le certificat d'études primaires. Et donc à la fin de cette année-là, si bien évidemment l'enfant, l'élève a réussi son examen, les parents recevront une liste d'établissements, et donc ils devront classer cette liste par rapport à leur choix. Donc en premier choix, ils désirent mettre leur enfant dans tel établissement, en second choix dans tel établissement, et ainsi de suite. Et donc cette liste va être dirigée vers les différents établissements choisis, et c'est les établissements qui vont faire justement le choix d'accepter ou pas l'élève au sein de leur environnement. Donc plus un élève sera et plus il pourra prétendre aller dans une école, je vais dire, soit renommée ou en tout cas de niveau élevé. Donc ce qui permettra bien évidemment par la suite d'augmenter ses chances d'aller dans une université, d'avoir une bourse, etc. etc. Bon, c'est pas parce qu'un élève ne suit pas une bonne... n'est pas nécessairement le meilleur élève de la classe ou de l'école
qu'il ne pourra pas réussir sa vie. Ça, il faut arrêter ce genre d'idées. Il y a énormément de gens qui n'étaient pas nécessairement de bons élèves et qui ont eu une vie tout à fait épanouie, voire ils ont été fortunés. Comme je vous le disais précédemment, le système éducatif mauricien est très porté sur l'international. Donc il est bien évidemment tout à fait naturel de retrouver justement ce point de vue international économique sur l'apprentissage des langues. Donc dès la maternelle, les enfants apprennent le français et l'anglais. Donc au niveau commercial, c'est déjà une très bonne base. Et en règle générale, suivant les établissements, on pourra retrouver des propositions de troisième ou quatrième langue, que ce soit de l'italien, de l'espagnol, du portugais, de l'allemand, de l'hindi, du chinois, enfin mandarin ou chinois contemporain, un petit peu plein de langues comme ça qui peuvent être intéressantes et peuvent apporter un réel plus justement à l'enfant par la suite quand il choisira sa filière pour son futur métier. Concernant les filières justement, malheureusement ici à Maurice on est relativement restreint. Donc il y a bien des filières traditionnelles, que ce soit en médecine ou en enseignement, en éducation. Mais les filières sont relativement restreintes au niveau secondaire. Il faut aller vraiment vers un environnement tertiaire pour avoir plus de choix, ce qui est relativement dommage, puisque toutes les années, de 13-14 ans jusqu'à leurs 17 ans, les élèves auraient pu avoir ne serait-ce qu'une initiation à leur domaine, leur passion, je vais dire ça comme ça, et ça pourrait justement leur faire un déclic, que ce soit dans le choix, oui j'aime bien, je veux continuer, ou non, j'ai eu un avant-goût, ça ne me plaît pas, j'ai eu une vision entre guillemets de ce que ça pourrait être comme domaine, et ça ne me plaît pas. Et donc là, à ce niveau-là, je trouve que c'est un petit peu dommage que le système éducatif ici à l'île Maurice ne soit pas plus en phase justement sur sur l'éducation justement spécifique des enfants pour leur avenir. Certains enfants qui obtiennent des bourses à la fin de leurs années secondaires peuvent faire des voyages entre guillemets payés par le gouvernement, que ce soit en Europe, en Amérique, en Australie, en Asie, en Inde, peu importe, pour apprendre justement leur métier, leur filière qui les passionne. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant puisque, comme on dit, les voyages forment la jeunesse, et ça peut leur permettre justement de couper en même temps le cordon entre les parents et eux, de leur apprendre justement à devenir autonome, de leur apprendre leur métier éventuellement, ça serait peut-être pas mal. Et voilà, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Ces bourses sont octroyées bien évidemment par rapport à leurs notes. Si malheureusement leur note n'est pas nécessairement au rendez-vous, leur bonne note n'est pas nécessairement au rendez-vous permettant de débloquer justement cette bourse, c'est pas pour autant que ces enfants ne pourront pas aller faire des études tertiaires à l'étranger. Simplement, c'est que au lieu d'aller puiser dans la poche du gouvernement, il faudra aller puiser dans la poche de papa, maman, mon oncle, ma tante, peu importe, dans la famille. Pour conclure, je vais vous donner un petit peu mon ressenti. Personnellement, je pense que le système mauricien est très bon. Il est très bon, malgré ce qu'on pourrait croire. Le système mauricien est très bon puisqu'il prépare énormément les enfants sur l'international. Il y a énormément de Mauriciens qui travaillent dans l'international, que ce soit sur des bateaux de croisière, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Inde ou autre part en Asie, ou même en Afrique.
Donc, il prépare très bien sur l'international. Malheureusement, encore une fois, je pense qu'il pourrait faire, je veux dire, il pourrait faire mieux en offrant plus de filières sur les choix de carrière. Par exemple, sur l'audiovisuel, sur la médecine, puisque actuellement les médecins sur Maurice sont contraints d'aller apprendre la médecine en France, en Allemagne, ou autre part, éventuellement en Europe ou autre part dans le monde en tout cas. Que ce soit en informatique, il y a peu, les cours d'informatique sont prodigués dans les années secondaires. On pourrait éventuellement l'instaurer plus tôt pour que dans les années secondaires, ce soit un petit peu plus pertinent et plus spécifique, que ce soit au niveau du graphisme, au niveau du codage, au niveau du développement, au niveau de l'audiovisuel. Il y a en Europe, en France, en tout cas, il me semble, des filières qui permettent de devenir, je ne vais pas dire youtubeur, mais en tout cas d'avoir tous les atouts pour devenir youtubeur, que ce soit au niveau cinéaste, au niveau son, au niveau graphisme, au niveau développement. Il y a quand même des filières comme cela qui seraient peut-être intéressantes à développer, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau commerce international. Il y a énormément de filières dans lesquelles, je vais dire actuellement, il y a pas mal de demandes, et dans l'avenir, dans les 10, 15, 20 ans à venir, il y aura toujours de la demande. Et je pense que le gouvernement pourrait mettre en place, en tout cas, ou réfléchir pour mettre en place ce genre de filières, ou en tout cas d'initiatives afin de donner envie aux enfants de s'intéresser à ces filières plutôt que de s'intéresser à des filières dites traditionnelles, comptabilité, secrétariat ou informatique, mais vraiment basique. C'est limite du secrétariat. Donc voilà. Maintenant, les études tertiaires permettent de combler certaines lacunes, notamment en informatique, en commerce, ici à Maurice. Mais malheureusement, le choix de ces filières est encore trop restreint à mon goût. Donc voilà, maintenant, moi j'invite vraiment les parents à faire un point sur la vision qu'ils peuvent avoir. Ne pas se focaliser sur ce qu'ils désirent, ce qu'ils aimeraient que leurs enfants fassent, quels sont les domaines qui sont actuellement demandeurs. C'est pour ça que je trouve que le système mauricien est pas mal quand même, parce que quelle que soit la filière, si on parle le français, l'anglais, et si en plus de ça on a une troisième langue derrière, quelle que soit la filière, que ce soit en informatique, en médecine, dans le domaine juridique, que ce soit dans la construction, dans la mécanique, peu importe, votre enfant pourra aller un petit peu partout dans le monde, exercer cette passion, ce domaine, cette vocation peut-être, de façon tout à fait normale au niveau de son intégration. Donc c'est des choses qui, à mon sens, sont déjà une très bonne base ici à Maurice, mais méritent d'être poussées un petit peu. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait mon possible pour rester le plus court, concis et intéressant. Si vous avez d'autres idées, éventuellement, si vous voulez avoir des exemples plus particuliers des domaines dans lesquels les filières secondaires sont disponibles, ou tertiaires, éventuellement sur l'UNIF, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, je vais faire deux petites vidéos, une qui m'a été demandée par un ami et une deuxième, celle qui devait justement être la vidéo historique surprise. Je la ferai un petit peu plus tard, mais je vais faire d'abord une vidéo qui m'a été demandée, donc parce que je peux rien refuser à cette personne, et voilà. Je vous remercie en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Ciao ciao.